Le mercato hivernal 2023 est ouvert depuis le 1er janvier en Europe. Chaque jour, des transferts s'officialisent. Durant ce mercato des transferts, des Sénégalais sont convoités par plusieurs clubs. Nous allons faire le tour d'actualité du mercato des joueurs sénégalais pour la troisième fois depuis le début de ce mercato. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Édouard Mendy est annoncé partout dans les championnats européens depuis qu'il est relégué sur le banc des remplaçants de Chelsea. Tottenham, Juventus, l'AC Milan, l'OGC Nice et l'AS Monaco ont montré leur intérêt sur le meilleur gardien de la Ligue des Champions en 2021. Un autre cadre du football européen est cité comme l'une des futures destinations du portier sénégalais champion d'Afrique 2021, Édouard Mendy. Selon lui, Saha, il y a des possibilités pour que Mendy soit recruté par Manchester United. Le portier titulaire des Mancuniens, David De Gea, est en fin de contrat en juin prochain. Le gardien de but espagnol n'a toujours pas renouvelé son contrat avec l'équipe dirigée par Eric Ten Hag. En cas de départ de De Gea, Mendy serait l'un des favoris pour être son remplaçant dans les cages des Red Devils. Formose Mendy pourrait bientôt lui aussi quitter Amiens pour un autre club plus huppé. Avec ses belles performances en Ligue 2 française, Formose Mendy est annoncé partout en France et ailleurs. Selon le site spécialisé Foot Mercato, l'actuel deuxième de la Ligue 1 française, le RC Lens, est très intéressé pour signer le jeune arrière droit sénégalais de 21 ans. Le site The Athletic a fait savoir que les dirigeants de Lens ont déjà fait une offre de 8 millions d'euros aux Amiens pour Formose Mendy. Mais selon la même source, cette proposition a été jugée insuffisante. Peut-être qu'ils vont augmenter leur offre d'ici la fin du mercato. Mais ce n'est pas qu'en France que Formose Mendy est admiré. En Angleterre, West Ham est aussi entré dans la danse pour convaincre les jeunes internationaux sénégalais. Formose Mendy est cité comme un potentiel concurrent de Thilo Kehrer au poste d'arrière droit des Hammers. Pape Matar Sarr, lui, pourrait jouer en Italie pour les 6 prochains mois. Après 5 mois sans jouer la moindre minute avec l'équipe professionnelle de Tottenham, Pape Matar Sarr enchaîne depuis 3 matchs maintenant. Et depuis lors, les chances pour qu'il quitte l'Espace se réduisent. Antonio Conte fait tout pour le conserver dans son effectif. Mais il y a un club italien qui fait le forcing pour se faire prêter le jeune milieu de terrain des Lions de la Teranga. Salernitana est en contact avec les dirigeants de Tottenham pour avoir le prêt de Pape Matar Sarr durant ce mercato. Selon Sky Sport Italia, Salernitana a fixé une date pour savoir si Tottenham va libérer le jeune de 20 ans. Mais avec ce que l'ancien joueur de Génération Foot a montré depuis son retour de Coupe du Monde, il y a peu de possibilités pour que Salernitana le récupère. Pate 6 est évoqué dans le championnat français. Le milieu de terrain du Rayo Vallecano en Espagne est courtisé par l'Olympique Lyonnais. Auteur d'un bon début de saison en Liga, Pate 6 pourrait bientôt vivre de nouvelles expériences. L'Olympique Lyonnais cherche à renforcer son milieu de terrain. Pate 6 est repéré comme un profil idéal. Foot Mercato annonce que le nom de l'international sénégalais est coché par Bruno Genesio et ses compagnons pour qu'il évolue devant la défense. Avec les blessures récurrentes du potentiel titulaire à ce poste, Corentin Tolisso, Pate 6 est ciblé pour sécuriser la défense des Gones. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Footscène.